Et bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on démarre un nouveau let's play A Space for the Unbound. J'espère que je le dis bien. Je suis loin d'en être sûr. Écoutez, pourquoi ce jeu? Alors tout d'abord, parce que j'ai été séduit par CDA. Hein. Ça va être du pixel art 2D, du plus bel effet. En plus, il a un autre avantage. Alors ça va être un visual novel, je suis pas du tout habitué à faire des visual novels sur la chaîne, mais ça fait longtemps que j'aurais voulu en faire, que j'ai voulu en faire, que je tenais à essayer d'en faire un ou deux. On va débuter par celui-ci déjà. Et en plus, voilà, le jeu se passe dans les années 90 en Indonésie, et pour voyager pas mal, même si je n'ai pas été en Indonésie, j'ai été pas mal en Asie, en Thaïlande, au Cambodge, en Vietnam, enfin bref, dans cette zone ici, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup et je suis très heureux de voir un jeu arriver avec une DA un peu différente, hein, que quelque chose qui pourrait se passer encore au Japon, même si j'aime beaucoup le Japon là aussi, mais c'est soit américain, soit japonais. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des pays comme ça mis en avant, et il faut lui donner sa chance. Alors c'est un petit jeu, hein, évidemment, mais à la fois j'espère qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Allez, on va appuyer sur une touche, on va vérifier les paramètres, on est en français. Alors le jeu au tout départ n'était pas en français, ils ont changé tout ça, c'est très bien. Alors c'est du sous-titré, évidemment. Je crois pas d'ailleurs qu'il y ait de paroles à l'intérieur, ça doit être que du pixel art. Et ben on va se lancer, hein, et on va démarrer ça ensemble. La nuit était froide. La princesse d'étoiles du sud faiblissait. Et le chat s'inquiétait. Mia, princesse, vous semblez malade. Qu'est-ce qui ne mia pas, demanda-t-il. La princesse leva les yeux vers le ciel nocturne et pensa. Il est temps de dire adieu, de quitter ce monde. Oh non. Alors je crois que c'est un peu triste. J'ai quelque chose pour toi, mon cher ami, dit-elle. Un cadeau d'adieu. Je t'offre mon dernier miracle. Quelque chose se mit à briller de mille feux au creux de sa main. Le miracle. Le chat resta sans voix, sidéré, mais il se mit à sangloter. Oh, Mia, princesse, non, je ne veux pas mieux quitter, miaula-t-il. La princesse sourit et fixa ses yeux pleins de larmes. Tout le monde a souhaité mes miracles, et tu es le seul qui ne m'a pas abandonné. Merci d'avoir été mon ami. Je ne veux pas. Moi non plus. La nuit était chaude et claire. La lumineuse princesse se changea en poussière d'étoiles qui s'envola dans les cieux. Et sa lumière demeura au cœur d'une belle fleur jaune. Resté seul, le chat se leva contre elle. Oh, princesse, le monde ne te mérite pas. Je sais. Bon. Qu'en penses-tu, monsieur le co-auteur? C'était super. Ton histoire était si émouvante. J'ai hâte d'entendre la suite. L'univers, l'aventure, les personnages, j'aime tout. Mais celle que je préfère, c'est la princesse. Je suis contente que tu aies aimé. Je n'étais pas très sûr de moi, ça m'inquiétait. Au début, je pensais transformer la princesse en comète. Et elle aurait détruit la planète et dévoré les créatures qui ont volé ses miracles. Mais c'était une fin plutôt violente, j'ai abandonné. Oui, je pense que tu n'aurais pas collé, que ça n'aurait pas collé avec le reste. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée de comète? Eh bien, la nuit dernière, j'ai été très inquiète. J'ai regardé le ciel pour trouver l'inspiration, et j'ai vu une comète traverser l'horizon.
brillant de mille feux dans la nuit noire. Mince, j'aurais aimé être réveillé. Je n'arrive pas à croire que ça finisse comme ça. Quel destin tragique pour la princesse. Est-ce que tu veux entendre le dernier chapitre? Le dernier chapitre? Ce n'est pas fini? Non, c'est surtout un épilogue, mais on peut se dire que c'est le dernier chapitre. Je voulais raconter la dernière aventure du chat. Le chat. La fleur jaune va... bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à penser à quoi que ce soit. Je sèche. Je l'avais sur le bout de la langue. Tu pourrais sortir prendre l'air. Pour que tu puisses retrouver tes esprits. Bon, d'accord. Et nous voilà. Le jeu va être fait de cette manière-là. Hein. De la 2D, comme ça, de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parler? Alors, allons prendre l'air dehors. Alors, tu te sens mieux? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'angoisse de la page blanche? Je ne sais pas. Quand j'y pense, ça me terrifie. À tel point que je n'arrive pas à savoir quelle histoire je veux raconter. Ça, c'est l'angoisse de la page blanche. Peut-être que c'est le moment d'utiliser le livre rouge magique. Magique? Rouge? Quoi? Le livre rouge magique? Tu t'en souviens pas? Le livre qui contient la formule magique du plongeon pour entrer dans le cœur des gens et les soulager de leur tourment. Ah oui, le livre rouge magique, bien sûr. Oui, il est utile de temps en temps. Où est-il? J'ai oublié où je l'ai mis. Désolé, je suis si étourdi. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher le livre rouge magique. J'ai dû le laisser quelque part ici. Il cherche quelque chose de rouge. D'accord. Ça, c'est rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a bien pu afficher une page de magazine de jeux vidéo ici? Voyons voir. Appuyer deux fois sur droite ou gauche pour courir. Le principe du tutoriel. Je me demande de quel jeu il s'agit. C'est sympa, ça. Je peux pas courir. C'est dommage. Un livre rouge, ça doit être le livre rouge magique. Eh oui, ces décors là me font vraiment très plaisir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve cette pays super. On va revoir cette histoire de tutoriel. Appuyez deux fois sur droite ou gauche pour courir. Ah mais si, c'est bon. J'ai trouvé ça bizarre. Le livre rouge magique. C'est ça que tu cherches? Le livre rouge magique. Tu l'as trouvé? Vas-y, essaye de l'utiliser. J'ai peur de l'utiliser toute seule. Oh, tu... Peux-tu m'aider? Oh, grand co-auteur magique et mythique. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Voilà, du calme, d'accord? Dis-moi, comment faire? Je ne m'en souviens pas. Quand tu la vois... Tu n'as plus qu'à ouvrir le livre. Quand je vois quoi? Une fleur qui danse au-dessus de la tête de quelqu'un. Une fleur qui danse? Hein? Oui, crois-moi. C'est le pouvoir du livre rouge magique. Et donc, j'ouvre simplement le livre, c'est tout? Pas besoin de danser ou de réciter une formule? C'est tout. Dépêche-toi, essaie. D'accord, débarrassons-nous de tout ce qui t'effraie. Et trouvons le dernier chapitre de mon histoire. Regarde. Oh, on arrive à l'intérieur d'elle. L'intérieur de son esprit.
J'ai peur. Trop peur pour réfléchir. Au dernier chapitre. Est-ce que je pourrais y trouver? J'ai peur de ce qu'il y a après. Et s'il était mauvais, tout le monde penserait que je suis bizarre. Je n'ai jamais rien terminé. Ce dernier chapitre, est-ce que je vais y arriver? Je peux interagir. J'ai trouvé une clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. On parle de ce modèle. Idiote. Tu n'as jamais rien. Oui, de si tu ouais. C'est que des. Des moqueries. La nuit était chaude et claire. La lumineuse princesse d'étoiles du sud se changea en poussière d'étoiles, qui s'envola vers les cieux. Et sa lueur demeura dans une belle fleur jaune. J'ai trouvé une idée, ça pourrait être utile. Cette histoire, j'ai toujours peur, mais ça, est-ce que je dois raconter cette histoire? Est-ce que je peux la finir? Oui, c'est ça. Oh, je n'avais pas réalisé qu'on avait marché si loin. Ah, c'est magnifique. C'est très très joli. Hein. Oui. Tu ne trouves pas ça incroyable? Si. C'est comme si je flottais dans l'espace. Presque comme si j'étais hors de mon propre corps. Tu sais quoi? Il faudrait donner un nom à ce qui se passe quand on utilise le livre rouge magique. Je dirais plongeon spatial. Ça sonne cool, non? Plongeon spatial? Oui, c'est sûr, c'est cool. Et informatif. Mais oui, tu plonges dans l'espace de mon cœur. Plongeon spatial. Et alors, est-ce que ça t'a aidé? Oui, j'ai décidé ce que je vais écrire dans le dernier chapitre. Super, c'est vrai? Oui, la grande étoile bleue. La grande étoile bleue? Oui, la grande étoile bleue qui l'attend. Lorsque la princesse est morte, son dernier souhait était d'y retourner. C'est là qu'elle devrait être. Et le chat, vous l'escortez? Exactement. Je pense que ce serait une aventure très intéressante à écrire et à illustrer. L'avis de monsieur le co-auteur est toujours aussi utile. Oh non, c'est toi qui as inventé cette histoire de la princesse. Mais si, c'est notre histoire. On l'a créée ensemble. Si tu le dis. Bon. Ouah. Ouah. Au dernier chapitre. Oui, le dernier chapitre. Est-ce qu'il nous manque pour finir l'histoire? Un vaisseau spatial. Ouah, un vaisseau spatial? Oui, à la fin, la princesse d'étoiles et le chat partent explorer l'espace ensemble. Dans leur nouveau vaisseau. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai déjà construit. Quoi? Mais quand est-ce que... Je peux le voir? Veut-il? Haha, ça fait 3 semaines que j'y travaille après l'école. Je voulais te faire une surprise. Je l'ai évidemment construit dans mon atelier super secret. De l'autre côté de la rivière. Pour que tu ne le trouves pas. Tu as traversé la rivière toute seule? C'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait l'aller-retour plein de fois. Et regarde, je suis toujours là. Bref, il me faut une dernière pièce importante pour compléter le vaisseau. Un objet assez magique pour le propulser à travers l'espace. Quel est cet objet? La baguette magique de la princesse d'étoiles, évidemment. Mais je l'ai laissée à la maison. Mince, est-ce que tu veux qu'on aille la chercher? Non, non, je ne veux pas aller pour l'instant à la maison. Ça ne va pas. Mon père... Ne t'inquiète pas, la baguette magique est dans ta chambre. Je vais aller la chercher. Tu es sûr?
Tu en as déjà fait beaucoup aujourd'hui. Et si quelqu'un te voit, on pourrait te prendre pour un cambrioleur. Pas de soucis, je me faufile comme un chat. Je suis désolé de t'apporter ça. Je t'assure que ce n'est pas si grave. Je suis prêt à aider, mais tu dois me promettre que tu ne vas pas traverser la rivière seul. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Tu as raison, je te promets de t'attendre. Est-ce que tu te souviens où est ma chambre? Elle est au deuxième étage. La baguette magique doit être sur mon bureau. Et une dernière chose, si tu te perds, mon chat Bosquet pourra t'aider. Eh bien où? Bien reçu. Bonne chance, je t'attends ici. Tu devrais plutôt m'attendre à la base. Ce n'est pas très sûr ici. Ah, tu as peut-être raison. Mais l'air est si frais. Je pourrais trouver l'inspiration pour le dernier chapitre. D'accord, mais pas trop longtemps. Ok. Une dernière chose. Tu as déjà dit une dernière chose. Ne t'inquiète pas, je vais revenir très vite. Non, ce n'est pas ça. Je voulais te dire autre chose. Quoi donc? Merci pour tout. Tu es le meilleur co-auteur que j'ai connu. Oh, n'en fais pas toute une scène. J'en viens vite. On va juste se déplacer de ce côté-là. Sinon, je pense qu'il faut que j'aille par là. Est-ce que je peux remonter? C'est pas la maison derrière, là. Le chat est venu avec nous. Il s'arrête là, donc il faut le suivre. Là. Ah, je suis assez inquiet parce qu'il semblerait que le jeu soit assez triste. Hein. Ils nous mettent d'ailleurs en garde quand on démarre le jeu. Et qu'est-ce que je peux faire avec ces chats hein? Ah oui, dis donc, on peut les caresser. À la maison. C'est assez bon. La musique est aussi très sympa. Boulette de quimol, quimol free, piquante et rafraîchissante. Délicieuse boulette de quimol. Allez prendre vos quimol. Simol? Quimol? Vous voyez, la grande comète de l'apocalypse a déchiré le ciel. Les étoiles meurent, le ciel va tomber. Et donc, catastrophe, maladie, inondation et sécheresse, ravage des terres. Ne voyez-vous pas? Montagne tremble de terre. Un peu violente. Ah, je prends mon temps. Je profite un petit peu des décors. Eh bien, on envoie les choses là. Ça nous fait faire directement tout le chemin. Alors, faut que je descende. Ok, voilà les maisons. Sa maison devrait être par ici. Mince, il y a quelqu'un. Bonjour, madame Dewey. Vous allez à la réunion? Nous pouvons y aller ensemble? Bien sûr, votre fille ne vous accompagne pas? Non. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Ma fille, ces derniers temps, elle a peur d'aller à l'école. Et mon mari? Ça ne se passe pas très bien avec son patron. Il est assez stressé d'avoir dû emprunter de l'argent pour envoyer Nirmala à l'école. Et il passe ses nerfs sur Nirmala. Nirmala, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, elle s'est enfermée dans sa chambre et elle refuse de lui parler. Mon Dieu, je ne sais pas de quoi faire. Je suis navré de l'apprendre. Pourquoi a-t-elle peur d'aller à l'école?
Je ne sais pas, j'aimerais poser la question à quelqu'un, mais je ne vois pas comment l'aborder. Si vous le voulez, nous pouvons partir en avance pour la réunion. Et en parler en chemin. Mais c'est une bonne idée, merci. Je vous en prie, vous pouvez me faire part de vos soucis. Les voisines, ça sert à ça. Elles sont parties, c'est le moment. Ça doit être sa maison. Ouais, le chat est monté. Hein. Mince chat. La grille est fermée. Mais son père doit être à l'intérieur. Ce serait risqué de passer par la porte d'entrée. Je devrais peut-être prétendre que je viens rendre visite à Nirmala. Mais je ne peux pas prendre le risque que son père réalise qu'elle est sortie en secret. En plus, il va me prendre pour un lycéen pervers qui vient voir une petite fille. C'est trop risqué. Mais je dois récupérer cette bague magique. Cette baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, montez par le toit. Mais depuis combien de temps tu es là-haut? Bien sûr, cette fenêtre au deuxième étage donne directement dans sa chambre. Comment suis-je censé atteindre le deuxième étage maintenant? Parce qu'en passant à côté, là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Non. Je devrais pouvoir atteindre le deuxième étage en escaladant ce mur. Mais il est trop pour moi. Si seulement je pouvais monter sur quelque chose. La rue est barrée en raison d'un événement de voisinage. Quand je suis arrivé, j'ai vu une échelle. Hey gamin, qu'est-ce que tu fais avec mon escabeau? Je le trouve tellement impressionnant, monsieur. Bon, c'est qu'il a l'air solide et métallique. Tu as fumé quelque chose, gamin. Tu n'as pas intérêt à me causer des problèmes. On ne touche pas à mon escabeau. Tu ne vois pas que je suis déjà bien occupé. J'aimerais tellement y dormir un peu, cela dit. Mince, cet escabeau me semblerait très bien utile pour atteindre la chambre de Nirmala. Est-ce que j'ai autre chose pour m'aider? Ouais, toi, il faut réussir à te faire dormir, toi. Ah oui. Livre rouge magique, peut-être que je peux m'en servir. Ah, on avait compris. Ça m'a pas l'air très très dur ce jeu, mais c'est parfait, on n'est pas là pour ça. Et d'ailleurs, les entourages là, face au poste télé, sont vraiment très chouettes. Alors allons voir. Superbe. La fleur est en train d'éclore. Je me demande ce qui se passera si je la fais éclore entièrement. Donc toi, t'as besoin de dormir. On éteint ça. Ça ne s'arrête pas. Quel étrange réveil. Un lecteur de cassette. Il n'y a rien dedans. Quelle musique pourrais-je mettre? Une matraque qu'il va falloir utiliser par la force. Non, la matraque est là pour le téléphone. Mais non. J'étais trop vite. Ah ouais, c'est réglé. Il y a des cassettes dessous. C'est fatigué, c'est parce que je suis resté debout cette nuit, pour voir la comète. Comme j'avais des choses à faire, ça m'a retardé, ça m'a gardé éveillé. Mais à présent, je pourrais dormir pour toujours. Et je n'arrive pas encore à m'endormir. Pas sans arrêter cette forte sonnerie. Pas sans éteindre cette satanée lumière bluissante. Et bien sûr, pas sans écouter ma musique Kerokong, préférée pour me détendre. J'aimerais seulement dormir. Alors, la musique est là. J'ai pas de cassette. On l'a pas vu quelque part?
comment faire. Je la vois pas ailleurs la cassette. Non, là, on peut que fermer. Oui, dormir pendant 1000 ans. Mais je ne pourrais pas sans arrêter cette fois vous avez... Ouais. Elle est où ta cassette alors? Est-ce que la lumière allumait quelque chose et montrait la cassette? Non. Est-ce qu'il faut un ordre précis? Cette forte sonnerie, cette lumière éblouissante. Est-ce qu'on voit une cassette quelque part? Faut proposer quelque chose. Pour aller chercher cette fameuse musique. Est-ce qu'elle serait pas là d'ailleurs ta cassette toi, non? Ah mais je sais. Quand on est passé tout à l'heure, il y avait un type avec un poste. Voilà. Yo mec, tu en penses quoi? Hein? Que comment? Ce son de Kero Kong. C'est une compile que j'ai enregistrée. Tu en penses quoi? Cool, vraiment super. Mec. Pas vrai. Tout le monde n'est pas fan de Kero Kong, surtout de nos jours. C'est un vieux genre musical que les colons ont apporté et qu'on a perfectionné. Ça dépend, tu vois. C'est parfait pour que les gens qui veulent se relaxer et penser à autre chose pendant un moment. C'est quoi? Tu peux prendre ma cassette, c'est offert. Ah non, ce n'est pas la peine. Je t'en prie mec, c'est tellement rare de rencontrer un autre fan de Kero Kong, pas vrai? Et puis, je peux en enregistrer une autre, n'importe quoi. Dans ce cas, merci. J'ai reçu une cassette de Kero Kong. Je ne comprends pas vraiment le Kero Kong, cela dit. C'est pas grave, on a ce qu'il nous faut. J'espère que ça va démarrer hein, tout de même. Mais pour l'instant c'est paisible, c'est agréable. Je pense qu'on va rapidement en savoir plus sur l'histoire. Ah ça y est, s'endort. C'est bon. Je vais fermer les yeux quelques instants. Ça ne peut pas faire de mal. On a réussi. Eh bien, il s'est déjà endormi. Ça doit être grâce au livre rouge magique. Il ne m'en voudra pas si je lui emprunte son escabeau. Il est temps de récupérer cette baguette magique. Il va falloir savoir pourquoi la petite ne veut pas aller à l'école. C'est pas une histoire de harcèlement, c'est insupportable ces histoires de harcèlement. Harcèlement devrait être fini par la mort. C'est un peu extrême mais... C'est insupportable que les gens continuent à harceler d'autres personnes. Alors on interagit et on grimpe. Comment d'ailleurs peut-on faire ça? Être assez bête pour faire ce genre de choses. Voici la baguette. Voilà la baguette magique de la princesse d'étoiles. Je me demande toujours où se trouvent toutes ces incroyables idées. Quelle fille ingénieuse. J'ai trouvé la baguette magique. Oula. Il est temps de fuir là. Sale gosse. Elle a des... Je vais regarder un petit peu la chambre. Elle a des posters déchirés. Ouvre cette porte, espèce d'ingrate. Qui t'a autorisé à fermer la clé?
Tu sèches encore l'école, pas vrai? Ouvre cette satanée porte. Encore en train de faire tes petites gribouillis d'écriture, tes âneries. Est-ce que tu as une idée de tout l'argent que j'ai pu emprunter pour te mettre dans une bonne école? C'est comme ça que tu me remercies, espèce d'enfant gâté. Mince, c'est tendu par ici. Je ferai mieux de filer avant qu'il n'enfonce la porte. Comment ça peut voir? Nina doit m'attendre à la base. Ah, j'ai peur, moi. J'ai peur qu'elle ait essayé de passer. Ouais, on fait faire que monter et descendre. On peut pas le ramener. Ah, il dort encore. Il peut être de plus en plus fort, j'ai un mauvais pressentiment. J'espère qu'elle est arrivée à la base. Ouais, j'espère qu'elle a surtout pas essayé de traverser en fait. Le harcèlement scolaire devrait être géré beaucoup mieux. Je focalise là-dessus, même si moi ça ne m'est jamais arrivé, mais ça m'insupporte de savoir qu'il y a la possibilité que ça arrive. Ça c'est tout à fait le genre de truc qui me révolte. Et ce qui me révolte le plus en fait, c'est qu'on n'en fasse rien. C'était trop loin, non? Non, c'était bien ça, c'était le pont pour toi. Ah, j'ai pas de pont. Ça c'est la base. On n'est pas là. C'est à prévoir. Où est-elle? On n'est pas encore arrivé. Au secours! Hein? S'il vous plaît, au secours! À l'aide! Au secours, s'il vous plaît! Cette voix, c'est... On l'a entendu par là, mais... C'est cool. Au secours, à l'aide. Je ne sais pas nager. Irmala. Aide-moi. Je ne sais pas nager. Oh non, j'en ai plus. Tiens bon, je vais trouver quelque chose. Plus vite, je t'en supplie. Je ne veux pas te dire longtemps, j'ai peur. Il a pris la baguette magique. Et tu essaies d'attraper ça. Ah là, elle était sûre. Non, désolé, j'ai été surprise par le tonnerre. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là, tiens. Essaie d'atteindre ce livre. Attention, tu es presque. C'est lui qui tombe à l'eau? J'arrive. Je viens t'aider. On va s'en sortir. Je dois... On a... Une histoire à terminer. Ah ouais. Thank you.
Le prologue est terminé. Je vais sauvegarder. Ensuite, j'arrêterai la vidéo, je pense. Je suis en train de me poser la question à savoir si j'arrête la vidéo là, à la sauvegarde, ou après. Écoutez, on va voir. Non, sauvegarde. Ouais, j'ai effacé la sauvegarde auto. Atma. Hey, Atma. Ah oui, toi, espèce de paresseux. Atma. Hein? Où suis-je? Lycée, idiot. Lycée, comment? Ne dis pas que tu dormais si profondément que tu en as perdu la mémoire. Je... Atma. Tu te souviens de moi, quand même? Non, ça doit pas être la fille de tes rêves. La fille de tes rêves? Ah bon. C'est bien pour ça qu'on sort ensemble, non? Hé, tu rougis. Je suis Raya, espèce de Loire. À peine les yeux ouverts, tu oublies le prénom de ta petite amie. Si ça arrive à nouveau, je m'énerve très fort. Compris, chef. Ma petite amie, hein? Je ne suis pas encore bien réveillé. Tu m'étonnes. C'était un sacré rêve. Quelle heure est-il? Les courants sont déjà finis. Tu dormais vraiment profondément. Ah bon? Je suis épuisé, je n'ai pas l'impression d'avoir dormi. Que s'est-il passé? J'ai fait un drôle de rêve. Je n'arrive pas à l'oublier. Un drôle de rêve? J'espère que je n'y étais pas. À vrai dire, si. Vous voyez ton visage dans le ciel. Et tu faisais un sourire bizarre, plutôt inquiétant. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et j'ai passé la journée à prendre des notes à ta place. Et tu me trouves inquiétante? C'est vraiment bien poli. Tu as pris des notes pour moi? Bien sûr. Tiens. Oh, c'est très gentil. Merci Raya. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Raya. Monsieur Angoon. Vous avez besoin de quelque chose? Tu n'as toujours pas fait ton entretien d'orientation. Oh, c'est vrai. Désolé, monsieur. Viens me voir dans la salle des maîtres, dès que possible. Une élève modèle comme toi devrait planifier son avenir. Bien sûr. Tu ne l'as pas fait non plus, Atma. Ouais, c'est que toi, t'es moins modèle. Pas fait quoi? Soupir. Remplissez ce formulaire, tous les deux. Je vous attends dans la salle des maîtres. Bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Pourquoi n'es-tu pas là en entretien? Ça doit être simple pour toi. Comme l'a dit monsieur Angoon, tu es un élève modèle après tout. Non, c'est pas simple. Tu n'en sais rien. Toi non plus. Tu n'as pas passé l'entretien. Je ne savais même pas qu'il y en avait un. Je n'arrive pas à m'en souvenir. À cause de tes rêves étranges? Sûrement. Oh mon pauvre, en effet ça a l'air épuisant. Et toi? Je n'ai rien décidé pour l'instant. Je suis embêté. Je n'aime pas quand les adultes s'intéressent à mon avenir. Enfin, moi non plus. Ils veulent juste qu'on devienne comme eux. Je veux choisir mon propre avenir. Pas celui que les adultes trouvent acceptable ou utile. Tu ne sais pas lequel avenir pour l'instant? Je n'ai pas très envie de faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de ce formulaire alors? Oui. Alors, et si on le transformait en ça? Bucket list. Liste de... Oui.
écris tout ce que tu veux faire, même si c'est bête. Ça reste des souhaits d'avenir. Qu'est-ce que je peux écrire? Ce qui te vient? Alors, je vais commencer. Regardez un film avec Atma. Quel film? Peu importe, du moment qu'on est ensemble. C'était un rendez-vous amoureux, donc. Bien sûr. À ton tour, qu'est-ce que tu veux faire? Caresser l'animal le plus douillet du monde. C'est quoi l'animal le plus douillet? Je ne sais pas trop. Faudrait peut-être que je caresse chaque animal de la ville pour trouver le plus douillet. La légende raconte que le douillet tosaur rôde toujours à travers les rues. Je pense que tu passes trop de temps à rêver à toi. À toi. Adopter un chat. Tu aimes les chats? Hein? Leur fourrure, leur environnement, leur petite patoutente. Ils sont tellement mignons. Je peux ronronner aussi si tu veux. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. À ton tour. Alors, des capsules de bouteilles. Écouter de la musique en pleurant toutes les larmes de mon corps. Ouais, ça aurait plus de sens que récolter 20 capsules de bouteilles. Ah, ça aurait pu aller plus loin. Je ne pensais pas que ça te ferait plaisir de pleurer. L'intérêt n'est pas de pleurer. C'est d'écouter la musique, ou lire un livre, et ressentir une émotion si forte que ça fait quelque chose. Tu n'as jamais ressenti ça? Ça fait bien longtemps que je n'ai pas été ému en lisant tout, ou en écoutant quelque chose. À toi, tu veux écrire autre chose? Quelque chose de délicieux. Tu as une envie particulière? Oui, je veux... manger une forêt noire en entier. En entier? En entier. Une grosse? La plus grosse. Allez, à toi. Alors, les capsules de bouteille, battre le meilleur score à Future Fighter. Récolter 20... Ouais, il y en a que deux, en fait. Bah, je vais être obligé de la mettre, la bouteille. Battre le meilleur score à Future Fighter. Future Fighter, oui. C'est mon jeu d'arcade préféré. Le meilleur score est très dur à battre. C'est connu. Oh, bonne chance, mon héros. Et ensuite, Ryan. Quel genre de fête? Je ne sais pas, mais elle sera géniale. Tu peux écrire la suite? Il y a toujours les capsules de bouteille. Récolter les 5 lettres de Yoman. Comment je récolte des lettres comme ça, moi? C'est une bonne idée, ça. La marque de chewing-gum? Chaque emballage contient une lettre du mot Yoman, c'est ça? Tu voudrais les collectionner? Il paraît qu'on peut gagner un prix incroyable quand on trouve toutes. Quel prix? Un vélo? Tu sais faire du vélo? Ah non. Ce qui compte, c'est la chasse aux lettres. Tu le dis. Et ensuite? Des lumières qui dansent dans la nuit. C'est si romantique. Oui, j'aime bien aussi leur odeur. Et maintenant, toi? Allez, capsules de bouteille. Hein. Ouais, je suis obligé de les prendre. Récolter 20 capsules de bouteilles, seulement 20, ce n'est pas beaucoup. Sauf si ce sont des pièces uniques. Avant, j'avais une collection de mes capsules de bouteilles préférées. Je ne les ai plus. Mais je veux en refaire une collection. Est-ce qu'elles ont de la valeur? Plutôt une valeur sentimentale, je dirais. Est-ce qu'il y aurait autre chose à y ajouter? Une spéciale me vient. Spécial, hein. Et si le dernier point était quelque chose comme ça? Découvrir un trésor précieux. Quel trésor? C'est un mystère. C'est ce qui le rend spécial. J'aimerais qu'on puisse donner cette lettre, cette liste à l'entretien. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est que c'est bientôt la fin du lycée. C'est comme s'il y avait, avec la fin des cours, la fin du monde arrivait aussi. Ah, je ne peux plus entendre parler de ce stupide entretien d'orientation. Si on faisait plutôt quelque chose sur notre liste maintenant. Maintenant? Tu veux dire tout de suite? Oui, ça serait super. Allez. Fais-le pour ta petite amie. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma ensemble. Oui, séchons l'entretien d'orientation. Sécher les cours?
Monsieur Angoon vient de me dire que tu étais une élève modèle. Une élève modèle, pas une esclave. Je veux sécher les cours de temps en temps. Si tu le dis. Allez, j'ai tellement hâte d'assécher l'entretien d'orientation. Tu le fais régulièrement. Explique-moi comment on fait pour sécher les cours. On commence par ne pas l'annoncer aussi fort. C'est clair. Oups. D'accord, et après? Quand on sac, on file. On sort comme ça? Oui. Faut le faire avec assurance. D'accord. Ah, attends-moi. Mur en droit du lycée pour faire une petite sieste. Allez, on va s'arrêter là. Écoutez, je sais pas du tout comment ça va reprendre. Est-ce que le jeu reprendra à l'endroit où je me suis arrêté ou non? Est-ce que je peux faire une sauvegarde? Reprendre paramètres historiques? Je peux sauvegarder. On a une sauvegarde auto ici. 21h06. On va sauvegarder. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit jeu vous plaira. Je vais le rajouter sur la liste des let's play que je suis en train de mettre en place. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dirai à bientôt. Je pense que l'histoire va démarrer, ça va être très sympathique, enfin en tout cas j'espère. Pour le moment c'est très cool, c'est vraiment tranquille, et c'est agréable de pouvoir jouer à ce type de jeu. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.